Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Nous allons partir en PVP, tester cette brute, cette bête, ce Broly du film DBS Broly. Écoutez bien déjà, j'aime bien quand je prends mon téléphone et que j'entends ça, regardez. Incroyable, je trouve que l'artwork est magnifique. Franchement, il est sublime. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je n'ai toujours pas joué une seule fois Broly. Vous allez le découvrir avec moi, voilà, dans cette vidéo. Je vais le tester pour la première fois, justement, dans cette petite vidéo. Alors, voilà, j'ai fait ça comme team. Bon, on peut faire pas mal de teams, etc. Là, voilà, je l'ai fait vite fait. J'ai mis Broly, j'ai mis quand même le Gogeta, voilà, parce que le Gogeta, il me tient à cœur. J'ai mis le Badak Zenkai parce que du coup, le Broly va profiter de la capacité Zenkai Saiyan bleu du Badak, mais également le Goku LF Namek. Voilà, du coup, ça risque de bien booster le Broly. Bon, attention, faut quand même rappeler que Broly n'est que 2 étoiles. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air extrêmement fort. J'ai mis Migaté, voilà, pour le kiff, et après, j'ai rajouté le Goku parce que du coup, il booste plutôt pas mal tous les Saiyans, 30% de la défense et l'attaque physique. En sachant que Broly, justement, est de type physique, voilà, les strikes, c'est plutôt pas mal. On va faire un rappel assez brièvement, parce qu'on l'avait déjà fait lors d'un précédent live sur Broly. En gros, la cape Z, là, booste pas la team parce que c'est que ennemi puissant, 22% de la défense et l'attaque physique, des bases ennemi puissant. Il n'y a que quand il sera 3 étoiles, si j'arrive à le rechoper, sinon je lui mettrai un PZ si il en vaut la peine. Il pourra également booster les sagas des films. Donc du coup, le Gogeta que j'ai mis dans la team pourra être boosté de 28% la défense et l'attaque physique. Donc voilà, par contre, ce qu'il y a d'intéressant avec ce perso, on va regarder un peu les stats, les points de vie. 2 051 000, c'est plutôt correct. 210K quasiment en strike, 200K en blast. C'est vraiment très bien, c'est pas du Zenkai et c'est que 2 étoiles. Je tiens à rappeler, pour un perso 2 étoiles, c'est vraiment très bien. Et 134 en défense physique et 132K en défense d'énergie. Voilà déjà concernant brièvement le Broly. Sa carte verte, elle est vraiment intéressante. Régène le ki de 30, augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 15 secondes. Cumul impossible. Réduit de 30% les prochains dégâts subis. Donc la carte verte, vraiment très intéressante. Tu vas pouvoir bien encaisser. Je me souviens avec sa carte verte, voilà, ils ont refait sa pose là comme dans le film DBS Broly, qui est super bien représenté dans le jeu. On va voir ce que ça donne. Cet effet reste actif jusqu'à la fin du combo. La fameuse carte, une fois que tu déclenches le main, l'attaque ultime, parce qu'on le rappelle, c'est quand même un perso legendary finish. Et j'espère pouvoir faire un legendary finish dans cette vidéo, comme j'ai pu le faire hier pour le Gogeta Blue. Inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 30% les dégâts ultimes infligés pendant 3 secondes. Octroie un bonus de stats réduisant de 100% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 3 secondes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, force ce dernier à changer de personnage. Armure d'énergie lors de la charge. Donc en gros, tu passes à travers les blasts, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. De plus, une fois que tu as balancé ton main, donc la capacité principale pour récupérer l'attaque ultime, tire la carte d'art ultime force gigantesque, donc c'est la fameuse attaque ultime, régène la force de 25%, donc tu récupères 25% de tes points de vie, et le ki de 50. Tu vois, ça veut dire que du coup, avant de balancer ton attaque ultime, vu que tu as 3 secondes pour avoir le max de bonus, balance une petite strike, tu vois, ou deux, et après, boum, tu balances le main. Oh, le mec, il va prendre cher. Oh, le mec, il va prendre cher. Là, quand tu vois ça sur le papier, ça a l'air incroyable, les gars. Soigne les altérations d'état et les malus de stats, conditions d'utilisation, après 25 secondes. Bref, voilà, maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. On n'oublie pas, il est 2 étoiles, donc je sais pas s'il sera aussi impactant ou pas. Comme je vous l'ai dit, ça va être la première fois que je vais le tester en PVP. J'espère que ça va être vraiment intéressant. J'ai mis le Migaté au cas où, si je tombe, voilà, sur une team qui a pas mal de VA, etc. Mais je pense pas le jouer. Je pense jouer honnêtement le trio. Voilà, Broly, Gogeta et le Badak. On va partir en PVP. On va aller tester ce Broly. Et puis bah, Yo Broly.
Ok, première game. Et eh bien, du coup, on a du VB 6 étoiles en face du Gogeta Blue 4 étoiles. Donc, moi, voilà, Badak, Broly et... Ouais, non, je vais pas prendre Mugaté. Parce que même s'il y a du Kefla, il a du Gogeta. Donc, on va partir sur le Gogeta type rouge, les gars. Comme je vous l'ai dit, on va partir sur le trio. Allez, on est parti. Ok. Parfait. Ça passe. On va faire rentrer Broly là-dessus. Eh, mine de rien, sur du VB, je crois qu'il avait 6 ou 7 étoiles. Ça a fait des dégâts. Alors, est-ce qu'il va tanker un minimum? Ouais. Ouais, il ramasse un peu, là. Ok, je vais switcher, sinon je vais le perdre. Ok, bon, la défense, c'est pas ça. Ok. Ok. C'est bon, j'esquive. Ok. Par contre, là, le Badak... Ah bah là, le Badak... Pas mal. Petite cover, pas mal. Ok. Parfait, ça. Ok. Voilà, je l'arrache un peu bien, là. Parce que son Gogeta, voilà, on fait rentrer le Broly. Ouf! Ok. Pas mal, ça. Ouf! Bah, ouais, du coup, l'autre, il est à contre-type. Ouh! Bah, vas-y. Oh là là, oh là là. Mais attendez. Mais est-ce que vous avez vu, là, les dégâts là, que Broly vient de faire, là? Bon, Gogeta à contre-type, mais même sur VB, là... Ah, forcément. Mais même sur VB, il a fait très très mal, là. Ok. Ok. Du coup, c'est bon, ça. Bim. Le Broly, là, attendez, il m'interpelle quand même, parce que je trouve que j'ai fait des dégâts vraiment monstres. On va voir après, hein. Ok, parfait. Allez, première game de gagner. J'ai pas vraiment eu l'occasion de bien le tester. On va refaire d'autres games de toute façon. Mais le Broly, il m'interpelle là. Les dégâts qu'il a fait sur le Gogeta Zenkai. Et après, il a refait d'autres dégâts du coup sur le VB. Ça a l'air intéressant. On va voir ça. Allez, deuxième game. Du coup, il y a du Kefla, VB, encore du Gogeta Blue. Eh bien, on va reprendre le fameux trio légendaire. Allez, let's go. Allez, il commence avec Kefla. Ok. Donc là, normalement, voilà, une cover. Voilà, ok. Parfait, ça. Très bien. Ça lag un peu. Ok, ça passe. Parfait. Oh là là, le Gogeta. Le Gogeta face à VB, il fait mal. Hein. On se demande qui a un contre-type. Hein. Ok, parfait, ça. Voilà, bim. Parfait. J'ai pas mis la blast exprès. Ok. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc là, on va voir maintenant le Broly, là, face à Kefla, là. Je sais plus la carte verte, si c'est contre les strikes ou quoi. Bref, on verra. Ok, les dégâts. Ok, 1 244 000, il va lui rester quoi? Un contre-type en plus, hein, donc... On va voir si ça va faire mal. En tout cas, les... Ouh! Ouah! Ouah, ce qu'il a collé à Kefla! Ok. Ouh! Non, mais qu'est-ce qu'il vient de mettre à Kefla, là? C'est qui était à contre-type, là? Attendez, les gars, mais... Enfin, après, voilà, je savais que le main, c'était incroyable, là, de Broly. On l'a lu, là, en début de vidéo. Mais c'est quoi, ça? C'est quoi ça? Ok, allez, troisième game du coup, avec des bons équipements. Ok, il a quand même 585 GG, donc lui, à mon avis, il s'est joué. On va repartir avec le trio. Il a du Gogeta Zenkai bien étoilé en plus. Kefla bien étoilé. Encore du Gogeta Blue, il y en a beaucoup qui l'ont eu le Gogeta Blue. Hein. Incroyable. On va voir ce que ça va donner. Et du coup, là, ça risque d'être un peu chaud, mais le Broly... Ok, allez. Ça passe. Voilà, logique, hein. Voilà. Ok, Gogeta Blue. Il a eu Bobo.
vendredi. Oh là là. Oh là là. Tiens, je sais plus, la carte verte, c'est contre les strikes ou pas? Ah non! Ok, c'est pas comme le Gogeta Blue. C'est pas contre les strikes, ok, bon. Je le saurais, je le savais plus, donc maintenant je le saurais. Fallait que je teste. Ok. Bon là, ok, voilà. Hop, on met le Gogeta. Hein. Ok. Parfait, c'est fait avoir. Hop. Je Rising Rush ici, je me prends pas la tête. On va voir. Hein. Mais j'aimerais bien voir quand même vraiment toute la puissance de Broly, quoi. Je vais le faire rentrer après parce que là, franchement, il a l'air incroyable. Ok. Pop, VB en moins. Allez, bim. Ok, donc là, puissance maximum. Est-ce qu'on peut LF? Allez, on va tenter. La cover, magnifique. Magnifique. Allez, je dis rien, c'est magnifique. Ok. Non, monsieur. LF ou pas? Ah, il arrache vite. Oh, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Mais enfin, c'est... Je m'attendais pas à ça, moi. Mais c'est quoi ce monstre, les gars? Mais c'est quoi ce monstre? Il est incroyable, ce nouveau Broly. Oh, ok, bon. C'est... Je m'attendais pas à ça. La vérité, pourquoi je suis autant choqué? Parce qu'il est que 2 étoiles. Il est 2 étoiles, les frères. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est seulement que 2 étoiles. Oh, mais c'est un délire. Le divine. Femme, je vais remettre de l'argent. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Donc voilà, les amis, pour cette vidéo PVP avec Broly. Incroyable, exceptionnel. Le perso, la vérité, je réinvoque sur le portail de Broly. Et pour l'instant, je vais un peu délaisser le portail de Gogeta. Il est exceptionnel comme perso. On va se retrouver pour un duel invocation en live contre Ludivine. Parce que Ludivine aussi, elle aimerait bien avoir Gogeta ou Broly. Tu vois, t'as compris. Et max 2 pouces bleus sur cette vidéo. Comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!